Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. C'est lui qui te sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique. Il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge, sa fidélité est une armure inoubliée. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. Qu'il en tombe mille à tes côtés, qu'il en tombe 10 000 à ta droite, toi tu restes hors d'atteinte. Il suffit que tu ouvres les yeux, tu verras le salaire du méchant. Oui, le Seigneur est ton refuge, tu as fait du Très-Haut ta forteresse. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère, le scorpion, tu écraseras le lion et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre, je le défends car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds, je suis avec lui dans son épreuve. Je veux le libérer, le glorifier. De longs jours, je veux le rassasier, et je ferai qu'il voie mon salut. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, ou que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, attends le Seigneur d'Israël. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Bonjour, chers téléspectateurs, téléspectateurs de la radio Christianité. Bon, comme nous connaissons que le miracle est fatigable, bon, et le grand prédicateur, bon, le prédicateur né, que nous trouvons gagné, pour chaque retraite, nous y et que nous connaissons que le Père miracle est qui très, très, très sollicité un peu partout. Là, vu que les guerres de paroisses, communauté haïtienne qui n'a même ni Sainte-Anne avec et Cambridge, de côté ça, que nous connaissons, nous connaissons, que moi-même, ma femme m'a dit combien de temps Père Miracle dormit le soir, avec plus que c'est lui-même qui est vice-coordonnateur pastoral haïtienne dans tout, dans l'archidiocèse de Boston. Même quoi que mon Zayo, là que nous gagnons, nous devons vraiment protéger, nous devons vraiment aider, c'est tout ça qu'il a fait. Bon. Et que nous avons dit, malheureusement pour nous, nous étions juste seulement près de l'année. Même capable de dire, nous, depuis au début,
le premier à la radio de l'instabilité, nous avons un balance. Je dis nous ça, nous avons un balance. Pour tout service, la vie que est toujours disponible pour nous. Il est toujours disponible pour nous. Parce que réellement, que, et comme une fois, nous avons fait nous les bonnes choses, on va s'en laisser de grâce. Et parce que nous avons dit nous que sans paix nous-mêmes, dans la radio de l'instabilité, nous avons plus respect pour lui. Pour le travail que lui fait dans la communauté. Et non pas loin et quoi mon père catholique n'importe qui toujours disponible pour qui toujours disponible ça que nous capable de bien fort parce que les gars ont 52 raisons à dire ça pour battre là avec nous avec toute l'occupation du mais les créer en temps même quoi que mon Dieu tout le mon Dieu bat grâce lui c'est toujours c'est au sens où mon Dieu bat grâce grâce mon Dieu va infini grâce mon Dieu son grâce qui toujours est infini que lié ouais. Mais nous avons prédit encore nous-mêmes que le Père Miracle, vraiment, que nous toujours contents, nous-mêmes dans la radio de l'Ostarité, que pour nous gagner, le Père Miracle, déjà, non, Bishop Césaric, avec non, moi c'est André et Pierre, et bon, directeur et vice-directeur de l'apostolat haïtien, que nous nous déjà un gros merci pour qu'aucune contribution ça va porter, parce que nous connaissons que. Et d'ailleurs, content que ce même encore que nous gardons ça pour Yvette Pascal Noir. Bienvenue à la radio de l'Israélité Bémiac. Merci, frère Buto, pour une belle introduction. Ça. Frères et sœurs bien-aimés, avec belle joie, nous comptons entrer là aujourd'hui. Hein. Et nous allons passer donc trois soirées, trois jours ensemble, lundi saint, mardi saint, mercredi saint, et pour nous capables d'approfondir la prière et méditer sur le thème de la mort du chrétien, oui, la mort du chrétien dans le plan de salut de Dieu. Nous sommes donc rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec moi aussi. De faux témoins se sont levés. On me rend le mal pour le mal. On me rend le mal pour le bien. Je n'ai plus d'appui. Éveille-toi, lève-toi pour me défendre et pour juger, Seigneur, mon Dieu. Psaume 34, versets 11, 12 et 23. Frères et sœurs bien-aimés, au début donc de notre retraite pascale pour cette année 2021, à nous reconnaître nos pécheurs, à nous baisser tête, nous fermer les yeux, nous tout le monde, à nous entraîner silence pour que nous, à nous demander, bon Dieu, pour lui pardonner nous, pour tout péché nous faire. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en supplions, quand nous tombons à cause de notre faiblesse, donne-nous de rendre vie par la passion de ton Fils bien-aimé, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, disposez que nous tout le monde, nous allons d'abord écouter l'Évangile, la proclamation de l'Évangile, et puis après l'Évangile, nous allons entrer donc dans l'enseignement du jour. N'a pas tout le monde thème dans pour année ça. Thème non, c'est la mort du chrétien dans le plan de salut de Dieu. Le petit bon Dieu pas mourir par hasard, il pas mourir sous chance ni par accident. Tout sacrifice un chrétien, il est à l'intérieur même du plan de Dieu. Disposez que nous tout le monde pour la proclamation de l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi. Merci Seigneur. Saint Jean, chapitre 12e, du verset 1er au verset 11. Et six jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts.
En donnant un repas en son nom, en l'honneur de Jésus, Marthe faisait le service. Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre de parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un des disciples, celui qui allait livrer Jésus, dit alors, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent et l'on aurait donné à des pauvres ?» Il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit, « Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères bien-aimés, notre thème central, c'est la mort du chrétien dans le plan de salut de Dieu. Et pour aujourd'hui, donc, nous allons analyser donc la condamnation du chrétien par le monde. En pile dans nos victimes, ou encore nos vives difficultés que nous rencontrons dans la vie comme victimes, nous souvent complaisons dans cette attitude de victimisation. On nous dit, c'est un tel qui fait, mes amis, ça me fait mon mieux, pas vrai, ouais, moi. Pour que ça mon mieux, raïm, comme ça, mes amis, regardez qui j'en ai essayé de détruire, etc., etc. Je vous dis, pour Dieu, il faut nous comprendre de manière simple. Les accusations doivent venir d'abord. Le monde doit vous accuser avant même qu'on passe par la passion pour capable porter des fruits qui demeurent. Donc, dans ces accusations que vous allez recevoir, nous allons approfondir trois points en ce moment aujourd'hui. D'abord, nous voyons le monde qui a accusé eux à l'intérieur de eux-mêmes, toujours bien en division. Le monde qui accusait un petit bon Dieu, le groupe qui a essayé de détruire eux, en imitant eux, toujours bien en division. Deuxièmement, même si un paquet de monde, ou bien le monde dans une zone, ou bien le monde dans une famille, essayait de détruire eux, pas jamais mettre dans la tête que eux tous forcément responsables. Et puis troisièmement, nous voyons ensemble avec eux, le fait que, ou même tout lien important pour garder pour ouais, dans la vie pas, qui ça qui pas de bon, qui cause que vous venez trouver dans la situation ça, côté ou subi, ou endurer, passion ça. Donc, à nous considérer, donc, premier point. Dans vos accusations, souvent, il y a un paquet de monde, un groupe de monde qui est venu. 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30. Souvent, nous venons dans des situations, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons un paquet de monde qui a essayé de détruire, nous a crasé. Mais savez-vous, et je le reprends, je le dis avec force, il y aura toujours une division à l'intérieur même, parmi ceux qui sont vos accusateurs. En nous regardant ce qui passait Jésus, nous sommes dans le livre de Saint-Jean, chapitre 7, verset 52. Il y eut un homme qui s'appelait Nicodème, qui faisait partie du groupe des pharisiens et qui était un partisan de Jésus. Dans Jean 19, verset 38, il dit, Nicodème était partisan de Jésus-Christ et dit Jésus en secret, parce que le peuple des pauvres juifs a des problèmes avec elle. Eh bien, le jour où Jésus-Christ sera amené devant le grand Sanhédrin, eh bien, ce même Nicodème va le camper pour défendre Jésus. Chers frères bien-aimés, il y a toujours dans le camp de l'ennemi quelqu'un que le Seigneur place pour vous défendre. Pas jamais dit tout,
yo tout net pas vle wè mi jout nèl raïm, ce n'est pas vrai. Toujours un grand nami, tant yo a, qui dit non mes amis, ça nous fait un tel là pas bon. Ça nous vle, dossier n'a mis tout un tel là, li pas correct, li pas normal. Donc, rappelez-vous toujours, il y aura cela sur votre chemin. Donc, avancez toujours avec confiance, avancez toujours avec force, avancez toujours. Et laissez-vous guider par ce que Dieu va accomplir dans vos vies. Il y aura toujours dans le camp de l'ennemi de la division. Il ne mettra pas cuiseau, c'est vrai, il mettra 50, mais il y a un grain d'ami que bon Dieu a mis. Pour capable de dire un mot pour nous-mêmes, pour défendre. Maintenant, nous prenons une deuxième considération. Si d'abord, il y aura toujours une division dans le camp de l'ennemi, il y aura un petit bon Dieu par exemple fait. Par exemple, penser que, puisque un tel condamné, un tel pavlé, un tel raïm, que frère là tout forme condamné. Que maman forcément la donne, que papa forcément la donne. Collectivement, c'est vrai, cette famille peut ne pas vous aimer, mais en dedans, ou pas qu'à Dieu se condamner pour dire collectivement tout, nous pour dire en condamnation pour nous toutes. Souvent dans la vie, nous avons besoin en tant qu'enfant de Dieu de comprendre cet aspect. Nous parlons rapidement dans Matthieu 15, verset 11 pour comprendre ce qui passe. Regardez. Le Jésus-Christ a porté quoi à la passée? Il y a un paquet de monde qui a dit comme ça. C'est pour sang Jésus-Christ tomber sous nous, sous petite nous. Mais du haut de la croix, Jésus-Christ va dire quelque chose de différent. Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, le fait par Jésus-Christ d'avoir demandé pardon. Donc, il retirait en bas condamnation, monde qui juste, tout simplement, était en connexion du sang. Monde seulement qui était en connexion. Donc, moi, il m'a avec vous. Nous devons être prêts pour ne jamais condamner tout le monde. Pour ne pas jamais mettre tout le monde dans le même sac, dans le même panier. C'est vrai, mon Dieu, que l'apparemment. C'est vrai, mon Dieu, qu'a essayé de détruire. Mais, gagnons une série là-dedans, qui n'est pas forcément mauvais, pas forcément méchant. Toujours qui ont place dans la vie, pas où. Pour capable accueillir l'autre monde, demain, peut-être qu'il a venu pour ramener tête à la conversion. On a considéré donc, troisième point, et c'est lui qui est plus difficile. Et souvent, il est important pour considérer, pour comprendre, pour connaître. Et bien, moi-même, tout, il y a un bagage qui n'est pas bon dans moi, il y a un péché dans moi qui cause que le bagage a passé dans la vie comme ça. Le péché est l'auteur même du mal. Le Lalène dans Hébreux chapitre 12, verset 3, il fait nous comprendre donc que le monde qui fait péché à tout temps, chaque jour, il y a un matin, la gloire de Jésus-Christ sous la croix. Moun ki ap fè sa pa bon, moun ki ap désobéi bon Dieu, li cloué Jésus-Christ sous la croix chaque jour. Ceci étant dit, nous devons comprendre que, puisque péché nous yo atteint Jésus nan point ça, la place, l'heure de la conversion, li sonne également pour nous-mêmes avec pour moi-même. Le moment pour nous changer de fusil de Paul, li rive ni pour nous-mêmes, ni pour moi-même. Frères et sœurs bien-aimés, en nous convertissant chaque jour, en nous transformer la vie chaque jour, en nous baisser tête, nous avons une décision pour nous marcher selon le plan bon Dieu chaque jour. Ainsi donc, nous pourrons avancer vers le matin de notre Pâques. Que nous soyons ici pour chacun et chacune de vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et c'était tout fait mes yeux, un petit moment, et nous allons continuer à prier le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, nous implorons ton immense clémence en faveur de tous tes enfants. Tout le monde qui t'a écouté à soi et à Seigneur et qui t'a vive dans l'enseignement ça, bah, autant prie mon Dieu dans carême, dans retraite carême pour 2021 ça, grâce, bénédiction, pour avancer dans la vie en véritable enfant de lumière. Nous prions dans nos Jésus-Christ qui vivent et qui règne avec nous avec l'Esprit Saint, jeudi à demain et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Merci, mon Dieu. Merci. Passons une excellente soirée, tout le monde, et n'espérez vraiment qu'à l'occasion de retraite pascal année ça, on va découvrir à quel point la conversion est importante pour nous-mêmes. Bonne soirée, à demain pour deuxième jour retraite pascal nos pour année ça.
devant vous seul. Moi vrai marcher papa, l'ennemi attaqué, c'est où qui vous sauve. Jesus, la vérité, sous la